Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 11 du Advent of Code 2021. Donc dans ce jour 11, on a des pieuvres qui ont de l'énergie et on a 100 pieuvres dans une grille de 10 par 10 qui ont de l'énergie qui vont flasher quand elles ont trop d'énergie, quand elles ont max d'énergie. Donc ces pieuvres-là, on va les faire tourner dans un certain nombre d'étapes. Donc 100, je crois que c'est 100 avec le... Ce qu'il nous demande, c'est après 100 étapes. Donc à chaque étape, on va incrémenter de 1 l'énergie de toutes les pieuvres. Et les pieuvres qui ont plus de 9, enfin 9 ou plus d'ailleurs, vont flasher. Et elles vont donner de l'énergie à celles qui sont autour, qui vont également peut-être pouvoir flasher, du coup, si elles passent au-dessus de 9, enfin, si elles passent à 9. Et ensuite, etc., etc., jusqu'à que ça se calme et qu'il n'y ait plus rien. Et une fois qu'il n'y a plus rien, et bah, on recommence. On réincrémente de 1 tout le monde, et voilà. Et on flash. Et on fait ça 100 fois. Donc on va commencer tout de suite. Ça c'est un puzzle input. Je sais pas, je crois que c'est le test, celui-là. 54, 26, on va le prendre ici, comme ça on est sûr. Et le résultat après 100, c'est 1156 flash. Donc on va aller dans notre cargo.toml, rajouter notre jour numéro 11. Et puis créer notre fichier 11.rs. Alors j'ai pas de solution magique ici, je pense faire une boucle, on va dire. J'ai pas trouvé de solution qui permettait d'éviter d'avoir quelque chose de trop exponentiel ni rien, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de données parce que ça fait que 100, enfin c'est qu'une grille de 100, donc c'est pas trop compliqué je pense. Enfin c'est pas trop long à parcourir. À voir la partie 2 si nous font un système qui fait que c'est plus tenable et qu'il faut trouver une astuce. Donc j'ai un test input qui est un statique str. Tac, voilà. fn test input. Voilà, voilà. Et ensuite, on va tester. Du coup, on va faire test input comme d'habitude. Un petit parsing comme on a l'habitude. Je vais peut-être même le reprendre d'au-dessus parce que on avait un parsing qui ressemblait. Alors, c'est pas celui-là, peut-être au 9. Ouais, ça va être ça. Parce que ça va être exactement la même chose. On va faire un trim, lines, enumerate, flatmap pour récupérer en fait des coordonnées. En fait un hmap avec les coordonnées et la valeur. Donc use std collections hmap. Ok, une fois qu'on a notre carte, on va faire for 0 for i. Alors je sais pas si on a besoin in 0 100. Donc on va faire 100 tours de boucle. Et pour 100 tours de boucle, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va d'abord commencer par incrémenter. On va incrémenter tout le monde. Comment on peut faire pour incrémenter tout le monde? For... je ne sais pas comment on incrémente toute un hmap. Peut-être regarder Rust. Si on n'a pas une fonction pour itérer dessus en les modifiant. Parce qu'on veut récupérer une entrée spécifique. GetValue, GetMute, est-ce qu'il y a des iter? Il n'y a pas des iter mut? Si, il y a iter mut. HMap, on insère 1, 2, 3, map iter mut, val, val x 2. Ok, c'est exactement ce que je veux faire. Donc c'est map iter mut, donc on va le mettre en mutable, bien sûr, la map. Et là, on va dire val plus égal 1. On va rajouter à la valeur 1. Donc au début de chaque tour de boucle, on va faire ça. Ensuite, on va parcourir, on va checker, on va faire une loop, je pense. Et on va commencer par dire let flashes est égal à h7 new. Donc h7, ça va être ceux qui vont... qui vont flasher à ce tour-là. Je vais peut-être avoir même d'ailleurs un let flashes. Peut-être que le flashes d'ailleurs c'est à une étape. Il n'y a qu'un seul à une seule étape. Il n'y aura qu'un seul flash par coordonnée. Donc on peut les sauvegarder tous dans flashes. Et ici on va sauvegarder que ceux qui flashent à ce moment-là, les nouveaux. Donc du coup les nouveaux c'est quoi? C'est on va parcourir la map.
Ça, on peut appeler ça énergie, par exemple, si on voulait être plus clair. Donc là, c'est énergie et ça, c'est x, y. Ouais, pour l'instant, on va faire ça, iter. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre ici? Du coup, on va dire flashes.insert position. Sa position. Ok. Ça, c'est un. Alors non, c'est new flashes ici, du coup. C'est new flashes insert position. Ok. Donc, donc là, c'est bon. On insère la position. Alors, c'est pas du tout ça. C'est si if energy est supérieur ou égal à 9, qu'on insère position. Et que. Alors, pourquoi. Expedient. Ok. Je sais pas s'il vaut mieux faire ça ou l'autre. Et que la position n'est pas déjà dans Flashes. Flashes contains position. Ok. Donc ça va être des H7. Je vais les annoter comme ça. On va plus avoir d'erreur, même si normalement il devrait le deviner plus tard. C'est 2 H7 comme ça. Poundtuple position. Explicit tuple found. Attends, ok, je peux le déréférencer si tu veux. Ok, ça va être tous les deux des mutables. C'est normal. Ok. Position. Ok, ça c'est juste position. Elle me dit qu'il l'utilise pas. Ok. Donc si. Donc pour cette petite. Parce qu'en fait, il y a une étape classique, il y a une étape globale. C'est marqué un peu au-dessus. J'ai peut-être passé un peu vite. Premièrement, on augmente tous de 1 pour chaque step. Et ensuite, pour ceux qui sont supérieurs à 9, flash, ça augmente de 1 tous ceux qui sont autour. Et du coup, ça peut faire flasher les autres. Etc. 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 Le truc, c'est que. Je le fais en deux étapes parce que, enfin, j'ai envie de sauvegarder d'avoir tous ceux qui flashent, ensuite faire l'augmentation de 1 de tous ceux qui sont autour, et ensuite repartir pour les new flashes. Parce que je me dis que si je le fais de manière là, ici, si à ce moment-là je fais un truc récursif, et bah ça sera pas forcément. C'est pas forcément le même résultat. En fait, je sais pas si c'est le même résultat si on parcourt, si je vois, on dit que la position 2-2 flash. Est-ce que la position 1-2, elle passe au-dessus de 9, est-ce qu'elle flash tout de suite? Ou est-ce que je fais d'abord flasher à gauche ou d'abord flasher à droite? Et je sais pas si ça a un impact de d'abord faire flasher à gauche ou d'abord faire flasher à droite ou d'abord flasher en haut. Ou alors attendre que tout est flashé dans la position, puis ensuite refaire flasher tout le monde. Donc je pense que je vais plutôt le faire dans ce sens-là, ce qui me parle plus. Strict en fait, où je fais d'abord une première passe de flash, ensuite je regarde qui a de nouveau, je refais une flash, etc. etc. On va voir si c'est la bonne solution ou pas, mais ça me paraît plus stable, on va dire. Peut-être que ça donne le même résultat. Donc là, si on stocke tous ceux qui flashent, très bien. Ensuite, on va parcourir ceux qui flashent, for position in new flashes. Donc pour tous ceux qui flashent, on va faire la même chose que ce qu'on faisait ici, c'est-à-dire qu'on va parcourir. Tac. Je vais pas le faire pareil, donc hop, on va refaire ça. For x in moins 1, 0, 1, parce que cette fois-ci, il y a les diagonales par rapport à le dernier énoncé. Donc on va le faire comme ça pour avoir les diagonales également. If x est égal à 0 et y est égal à 0. On continue. On prend juste pas en compte ce cas-là, parce que c'est notre position à nous. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'entry. Donc si je prends une entry ici, comment ça fonctionne? L'entry entry ch. Ça me renvoie une entry. Ok. Donc moi, c'est ce que je veux. Je vais faire map.entry xy. Let entry est égal à ça.
Donc ça a l'air de fonctionner. Et après, moi, ce que je veux, c'est dire que seulement si l'entrée existe, déjà. On peut pas faire un iflet ou un truc comme ça. Or default. Moi, j'aimerais bien pouvoir incrémenter une entrée, mais seulement si elle existe. Si elle n'existe pas, je m'en fiche. Je veux pas insérer quelque chose si elle n'existe pas. Get key value, contains key, get mute. Ouais, c'est un get mute que je veux faire plutôt qu'un une get entry. Ok, donc là c'est un get mute et là c'est un if let if let sum energy est égal à ça. Energy plus égal 1. Il faut le déréférencer, je pense. Ok, là il faut passer une référence. Donc là je parcours tous ceux qui sont autour de mon flash. Et j'incrémente leur énergie. Également, je peux profiter de ce parcours-là pour faire flashes.insert. Position. Voilà. Et ensuite. Est-ce que j'ai d'autres choses à faire? Je ne crois pas. J'ai augmenté l'énergie. Je reviens du coup au début de la boucle. On reparcourt toute la map. Est-ce qu'il y a des énergies supérieures à 9? Et qui sont pas dans, qui n'ont pas déjà flash à ce tour-là? Dans ce cas-là, je les insère dans le new flashes et je refais un tour. Ça me paraît pas trop mal. Et enfin, j'ai une somme du coup. Let sum est égal à 0. Let mute sum est égal à 0 et à la fin je fais ici à la fin de mon tour de boucle je fais sum plus égal flashes.length pour compter le nombre de flashs que j'ai eu et enfin println part 1 sum. Ça me paraît pas trop compliqué comme algo. Si on est supérieur à 9, on flash, on insère dans les new flash. Ensuite, on parcourt les new flash, on regarde s'il y a autour, on augmente ceux qui sont autour de 1. Ah si, il faut que je passe à 0 tout le monde aussi, à la fin. Donc à la fin, il faut que je parcours for flashy, for position in flashes. For position in flashes, je fais un... Hop, je les passe à 0. Énergie est égal à 0. Énergie est égale à 0. Il faut que je les repasse à 0 quand ils ont flashé à ce tour-là. Et du coup, ici, je suis quasiment sûr qu'elle existe. Ici, je suis pas sûr qu'elle existe parce que je peux parcourir au-dessus, je peux aller au-dessus, en dessous, etc. Mais ici, je suis sûr que ça existe parce que si ça a flashé, c'est forcément qu'on est dans la position. Flashes insert position. Ouais, si on insère dans New Flashes, c'est... si on insère dans Flashes, c'est qu'on est dans New Flashes, et si on insère dans New Flashes, c'est forcément qu'on a map solitaire, donc on est forcément dans le truc. Donc là, ça va être plutôt let mute energy. Je sais pas s'il y a besoin du mute, et ici un unwrap. Quelque chose comme ça. Donc je fais un unwrap parce qu'on est sûr que c'est bon. Et là, j'ai pas besoin du xy, c'est position. Hop, je peux faire un point iter ici. Je sais pas si ça... Voilà. Unreachable statement. Ah oui, parce qu'ici, il faut que je break, hein, moi aussi. Tout à la fin, je vais dire que si if new flashes is empty, dans ce cas-là, je break. C'est-à-dire que j'ai pas eu de nouveau flash. Donc j'ai parcouru aucun... Je peux même le faire avant, du coup, ça. Donc je vais augmenter aucune énergie. Donc il n'y a aucune raison pour que je flash quelqu'un d'autre parce que j'ai augmenté aucune autre énergie. Donc si j'ai pas eu de flash à ce moment-là. Voilà. Ok, donc ça vous voyez, c'est ça qui est pratique avec Bros, c'est qu'il peut nous dire des bugs comme ça qui seraient très compliqués. On n'a pas besoin d'être mutable, effectivement, parce que c'est un pointeur et le pointeur n'est pas mutable. Ok. Et bah je crois que c'est tout. On va faire un cargo run bin -bin 11. Je crois que c'est jour 11. Et ça nous donne 0.
Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? Étonnant. Étonnant, étonnant, étonnant. Println step i. On va afficher déjà le step. On va voir déjà combien on fait de step. Ok. Et puis on va peut-être faire un DBG de flashes à la fin. Ici, ouais, DBG de flashes. Normalement, ça devrait être toujours vide, du coup, si ma somme est à 0. Si ma somme est à 0, ça devrait être toujours vide. Oui, d'accord. Donc là, si je fais DBG de énergie, qu'est-ce que ça me donne? Wow, j'ai des énergies à 108. Est-ce que à chaque étape, j'ai flashis à 0? Pourquoi je peux avoir une énergie à 108? Ah, mais c'est normal, c'est step 59. Ok, si je remonte tout en haut. Ok, déjà, mes énergies. If énergie est supérieure à 9, est-ce que je rentre des fois là-dessus? Non, je rentre jamais là-dedans. Ah, bah c'est normal, parce que ici c'est flashes not contains. Petit bug. Oui, effectivement, c'est si on n'est pas déjà là-dedans. Donc, ok, 1347. Quel était le résultat attendu? Au bout de 100 tours, c'est 1656. Donc on n'est pas tout à fait bon. On n'est pas tout à fait bon, on doit avoir une erreur quelque part. Donc là, ça va être le problématique, c'est le genre de truc très difficile à débugger. Vais peut-être tester avec un tout petit test input. Je l'ai appelé test input aussi, alors que j'aurais pas dû. On va l'appeler test input 2. Test input 2. On a dit qu'on va faire 1, 2. Après step 1, on va faire juste un tour pour l'instant. Il y en a 10 qui flashent après un tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalement, il n'y a que 9 qui sont censés flasher. Déjà. Seulement ceux du milieu. On va faire un petit DBG de la map à la fin. J'espère que c'est quelque chose de simple que j'ai oublié. Donc ma map. Donc 4-1 est associé à 2 par exemple. Donc 4-1 est associé à 2. Je sais jamais donc mon x c'est quoi. Ma ligne c'est y, donc mon x c'est ça. Donc 4 ça va faire 0, 1, 2, 3, 4 et 2, 0, 1, 2. Donc là moi c'est censé être 5. Est-ce que je me ferais pas un petit script qui me permette de m'afficher de m'afficher une map. Peut-être s'afficher une map pour voir un peu plus facilement. Print map. Ça va prendre en paramètre une map qui est un hashmap de i32, i32, virgule u32. Ce sera une référence. Ça va rien retourner du tout. Et ça va faire un for x in 0, 10. For y in 0, 10. Donc on parcourt les x. On va parcourir les x. On va d'abord parcourir les y, puis les x. Pour chaque ligne, on va parcourir ensuite les x. Ok, donc là on va faire print de ça, qui va être map.get x, y. Map.get x, y.unwrap or. Et là, on va lui retourner. C'est compliqué parce que je veux pas déborder.
On va faire juste unwrap et on va pas utiliser test 2, on va utiliser test 1 pour ça. Ok, print, c'est une macro. Hop, voilà, donc ça fait print. On print. Et ici, on fait un print ln, juste pour print un new line. Et je crois que c'est tout. Du coup, ici, on peut faire print map. Voilà, et on va faire test input. Ok, on va enlever mon autre DBG qui me sert pas grand chose pour l'instant. Ok, donc step 0, donc c'est ma step 1 on va dire, si on retourne ici, before any step, on est à 54,83, et là on va être à 60,94, donc on n'est pas bon du tout. After step 1, il n'y a personne qui a flash normalement. Alors déjà, après le step 1, il n'y a personne qui a flash, ça c'est important. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a flash à ce moment-là? Flashes.length. Step i flashes. Step 0, 16 flashes. Ok, ça c'est pas normal. Before any step, ensuite on va incrémenter. J'ai rien qui est normalement supérieur à 9. J'ai même rien qui est supérieur à 8. Donc normalement, je devrais pas avoir de flash au premier tour. Alors pourquoi j'ai des flashs au premier tour? If energy est supérieur ou égal à 9. Alors, j'ai peut-être un problème de supérieur ou égal parce qu'en fait, je passe à 8, j'incrémente tout. Greater than 9, ok. Donc, c'est pas greater ou égal, c'est juste greater, qui peuvent arriver à 10 en fait, entre guillemets. Ok, donc là, ça devrait être bon. On devrait avoir 0 flash au début. Ok, 0 flash. Ok, donc le problème venait juste sans doute de là. On va juste faire ça comme ça. On va repasser à 100. Pour les steps, et on va voir déjà si on a le bon résultat ou pas. 1180. C'est pas le bon résultat. Je ne pense pas. Non, c'est pas le bon résultat. Mais, on a résolu un bug. C'est déjà ça. Donc après le step 1, il y a eu 0 flash. Le step 2... Le step 2, il y a combien de flash dans le step 2? Step 2, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 flash au step 2. Et nous, on n'a que 16. Donc, c'est étonnant. C'est étonnant. Comment on va pouvoir tester ça? Comment on va pouvoir tester qu'on fait bien le bon truc? Si je relance ce truc... Je vais relancer celui-là, test input 2. On va essayer de voir déjà si j'ai les bons chiffres, parce qu'on ne peut pas vraiment tester avec des gros trucs comme ça. On va print la map et on va le faire deux fois. Il faut que je change un peu mon print map pour dire que c'est que jusqu'à 5. Ok, donc c'est vraiment pas du tout bon. Je sais pas si vous voyez bien avec. Hop, je peux zoomer un petit peu ici. C'est pas du tout bon. On a des 2 partout. Alors pourquoi on a des 2 partout? On a eu 10 flashs. 5 x 5, 25. On a eu 10 flashs et c'est pas du tout les bons. Donc les 9 ont flash. Donc les 9 passent. Before any step, on est à 9. On va passer à 10 tout chacun. Donc ils vont flash de toute manière. Ils flash. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Donc là on augmente 1 plus 8, ça nous donne 9. Et du coup, il est censé flash. 1 plus 8. Ah oui, parce qu'il a augmenté, il est passé à 2. Donc les 2 plus 8, là, par contre, il va passer à 10. Ok, donc celui du mieux, il est censé flash. Pourquoi celui du mieux est égal à 2? C'est la question que je me pose.
Celui du milieu, c'est le 2-2. Oui, c'est le 2-2. 0-1-2 et 0-1-2. Okay. C'est le 2-2. DBG map.get 2,2. Donc 2, 2, 2. Il a pas l'air de bouger. Je me dirais que c'est peut-être ça qui... Non. Est-ce que j'utilise bien le getMute? Map getMute. Let some x. Ça a l'air de bien enfin, de fonctionner. Ok, 2, 2, 2. Donc en fait, il a pas du tout... mon système de flash ne fonctionne. Ah bah oui, ici c'est flashisiter. Nye. Voilà, petite erreur. Ici c'est new flashisiter, je pense qu'il faut que je fasse quoi que. Non, ça c'est flashisiter, ok. Flashisinsert, position new flashis. Non, ici je parcours bien tous les new flashis. Donc là je fais un dbg de new flashis. Je devrais bien avoir... Au début, mes new flashes, j'ai bien mon 1, 3, 3, 1, 2, 3. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien mes 8 qui ont flash. Donc ça, c'est bon. Oh, j'ai oublié d'incrémenter. Ok, donc là, c'est 1x, 1y, 1k. Ok. Et donc là, ça va être... position, ça va être du coup ici ça va être xy et ici ça va être x plus 1x, donc ça pouvait pas marcher. Y plus 1y, ok. Des fois des petits bugs comme ça se glissent. Flash insert xy, flash insert xy, ok. Donc on peut enlever tout ça, ok. Et on a bien notre 3, 4, 5, 3, 4, ok. Donc c'était ça notre erreur, test input tout court. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de print la map, on va tester, on va voir si déjà 80 c'est pas bon parce que on est à, il faut remettre à 100. 1656, et je crois que c'est le bon chiffre par contre là. 1656, ok. Donc maintenant on a besoin de récupérer notre puzzle input, qui est pour une fois pas très compliqué à recopier. Hop, raw input. Voilà, deux petits bugs qui nous ont pris un petit peu de temps quand même. Le problème n'était pas très compliqué, mais deux petits bugs qui font que bah des fois on passe un peu plus de temps qu'autre chose. 1608 flash. On va voir si c'est le bon résultat. Et oui, c'est la bonne réponse. Donc on a bien récupéré notre 21e étoile. Donc voilà pour cette première partie du jour 11 de l'Advent of Code 2021. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de cette partie 2.